Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Salut à tous, c'est Letko. Donc après cette magnifique intro de 3 minutes 30 de Super Street Fighter 4 Arcade Edition Turbo DDL Injection 16 soupapes. non, je plaisante, je rigole. Non, c'est Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Donc pourquoi Arcade Edition? Parce qu'apparemment il y a des nouveaux personnages qu'on va voir ensemble. Donc là vous voyez la démo, vous voyez un combat entre j'ai oublié, Abel, voilà, Abel le français et contre Bison. Donc là je sais pas si l'intro va se remettre en route. En tout cas ça se met en route. Je vais pas vous la remettre, vous inquiétez pas. Donc Super Street Fighter, c'est un classique du jeu vidéo. Ouais, assez remis en route. Donc j'appuie sur Start. Donc oui, c'est un classique du jeu vidéo, ça Super Street c'est. Fighter 4 C'est pas. Arcade Edition. C'est un jeu que tout le monde est obligé de connaître, hein. Tous les amoureux tous les amoureux des jeux vidéo sont obligés, ils ont déjà dû jouer à ce jeu dans leur vie. C'est impossible que le contraire, que le contraire soit possible. Donc voilà, donc c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Quand j'ai joué sur Super Nintendo, c'était une révolution. Le jeu était très très beau. Assez dynamique et donc c'était un jeu de combat que tout le monde jouait à l'époque. C'était un peu une révolution dans le comment dire, dans le paysage vidéoludique des années 90. Donc c'est un jeu bien sûr édité et développé par Capcom, bien sûr, hein, Capcom, une maison du jeu vidéo qu'on ne présente même plus. Tous les jeux qui nous ont sorti donc voilà, donc le jeu est sorti le 24 juin, il y a une semaine 2011. Et bien sûr un jeu déconseillé au moins de 12 ans. C'est un jeu aussi sorti sur 360 Xbox bien sûr et sur PC. Et là bien sûr je joue sur PS3. Donc pour ce jeu, donc bon, on a bien sûr arcade, hein, on affronte l'IA avec une petite histoire. On a le versus contre un pote ou contre l'IA sans faire l'histoire. On a bien sûr le réseau avec le PlayStation Network qui nous permet de défier les autres joueurs, de voir les replays, les classements et tout ça. Il y a les défis. Donc les défis, je ne sais pas ce que c'est. Donc le jeu, hein, je vous dis très rapidement, j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait 2-3 combats pour voir. C'est exactement le même système que Super Street Fighter 4. Hein. Les mecs se sont pas cassés trop la tête, Capcom. Donc voilà. Donc c'est mini. Enfin, c'est pas une arnaque parce que. Ouais, non. Si vous n'avez pas Super Street Fighter 4, achetez-le. Mais si vous avez Super Street Fighter 4 à la maison, je ne conseille pas trop de l'acheter parce que pour 4 personnages ou 5 personnages de plus. De plus, ça vaut pas réellement le coup, à part si vous voulez Evil Ryu qu'on va voir tout à l'heure en action. Donc là, on a bien sûr entraînement, le dojo, les stats, bon, et ça c'est statistique, les options. Je vais rentrer dans les options comme d'habitude pour voir ce qu'on a. On a les commandes, bien sûr, on a le son. Je vais voir le son si on peut changer. Ah, langue des voix, ça j'aime bien ça. Ah, voilà, on va mettre tout japonais. Voilà, on revient. Je vais voir si ça a bien pris, si ça, voilà, ça a bien été pris en compte. Voilà, je suis content. Ouais, on va laisser ça comme ça. Donc l'écran, ça nous permet de cadrer l'écran, luminosité. Ouais, on va rajouter un truc. Ouais, on va essayer comme ça. Changer de version. Ok. Je sais pas ce que c'est changer de version. Et installer le jeu sur le disque dur, bon je l'ai pas fait, hein, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Je sais pas si ça changerait réellement grand chose lors des chargements. Donc là bien sûr je suis largement motivé que lors de mon précédent test qui était bien sûr Transformers 3. Donc là c'est un jeu qui me plaît, qui me motive à vous faire tester. Donc voilà. Donc bien sûr il y a. Donc la grosse nouveauté de ce jeu, voilà, c'est pour tous ceux qui ont
Pour tous ceux qui ont voilà, Super Street Fighter 4 à la maison, ça ne vaut pas vraiment le coup. À part si vous êtes vraiment un mordu du jeu et si vous pouvez revendre votre Super Street Fighter 4 pour acheter ce Super Street Fighter 4 Arcade Edition, bah faites-le. Mais ça ne changera pas beaucoup de choses. Donc apparemment il y a affichage activé, je sais pas ce que c'est. R1, c'est quoi R1? Bon, on va appuyer. Ah d'accord, si oui, si oui, pendant que oui, bon, vu que je suis pas connecté sur internet, moi je vais pas le mettre. Donc on va faire arcade. Voilà, mode arcade propose la fonction, tiens, ouais, je m'en fous. Difficulté, on va rester en moyen, 3 rounds, c'est pas mal. Et challenger, non, voilà. On confirme. On va voir le casting, donc vous avez pu voir, hein, lors de l'intro de la vidéo. Tout le cast, enfin pratiquement tout le monde était là, à part les quelques personnages qui n'étaient pas dans dans l'intro. Donc je crois que le jury était là. Donc bien sûr, on a Ryu, hein, on a tout le casting Capcom original, hein, de l'œuvre originale de Capcom. Donc maintenant, on a des nouveaux. Ibiku, non, Ibuki, pardon, Ibuki. Bon, Makoto, Dudley était déjà là avant. Bon, Seth. Était déjà là dans Street Fighter 4. Gouken, voilà, Akuma, bon voilà, je vais pas tous vous les faire non plus parce que sinon on en a pour 107 ans. Donc je vais vous montrer les nouveaux. Il y a Oni qui est assez impressionnant. J'ai joué avec lui. Ses combos sont assez impressionnants. On a Yang, je connais pas très bien. On a Akan, hein, je crois que c'est un Turc peut-être. Guy qu'on connaît dans un autre jeu de combat, je sais plus c'est lequel exactement, c'est pas Art of Fighting de chez SNK. Je sais pas, j'ai un doute pour Guy. Ah non, pas non, Final Fight, pardon, je crois que c'est Final Fight, Guy. Sinon, on a Cody qui me fait penser à Baldwin dans le film, je crois, Les Infiltrés ou les Frères d'Acier avec. Quand il s'échappe d'une prison, je sais pas quoi là, donc il me fait penser à lui. Bon, DJ, on le connaît, hein. Sagat, Bison. Donc voilà. Là, on a bien sûr Evil Ryu, assez bien fait, hein, avec les yeux rouges, l'aura rouge autour de lui, hein, assez maléfique. Sinon, je vais vous montrer ceux qu'on connaît pas trop. Bon, Adon, on le connaît, hein, Rose aussi. Donc voilà, je vous ai montré, voilà, je vous ai montré les personnages qu'on connaissait pas, Oni et je crois qu'il y a Gen ou Gouken je ne sais pas s'ils y sont ou pas. Donc voilà, bon, Viper elle est toujours là, Camille aussi, assez sexy, hein. Chun-Li, Jury qui est nouveau, voilà. Donc voilà, bon, je vais commencer, hein. J'ai arrêté de parler de jacter. Donc voilà, je vous comme on va commencer avec. Bon, on va prendre Evil Ryu. Apparemment, il a plusieurs couleurs. On va prendre couleur 3, provocation 2, réplique. On va mettre réplique 2. Voilà, on va mettre 5. Allez hop, on est fou dans nos têtes. J'avais essayé le Metsu Hadoken la dernière fois, mais j'avais pas réussi. Ça m'énervait. On va essayer ça là, le Mesatsu Gosho Ryu. On va prendre ça. Donc voilà, donc je pense que là il y aura une intro. Voilà, je vais vous laisser l'intro et on se retrouve après. Assez ouais, bon, assez cartoon, la comment dire, l'intro de Evil Ryu. Bon, on est habitué depuis Street Fighter 4, donc ça c'est assez sympa avec les voix japonaises, donc j'aime beaucoup. Voilà, assez la classe avec le kimono blanc. Lui carrément, non, il est en roulette.
Et c'est parti. Voilà, le Hadoken pour commencer. Voilà, le coup de pied. Hélicoptère comme je l'appelle. Donc vous voyez, hein, en bas à droite, il y a la furie, il y a le ultra combo de Yang qui s'est mis en route. Voilà, voilà, le chaos. Donc l'ultra combo se remplit quand plus on se mange de coups. Je lui ai fait un perfect. J'aurais peut-être dû mettre en difficile. Ouais. On va voir dans quelques combats si c'est trop facile, je mettrai en difficile. Parce que je suis assez. Voilà. Je vais essayer de faire un petit combo. Ah oui, ça c'est le. Oui. J'aime bien. C'est assez stylé ça. Quand il recule comme ça là. Attendez. Attendez. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, ça c'était très très beau. Malheureusement, je peux pas faire le combo. Parce que vu que ma jauge n'est pas en feu comme Yang. Je ne peux pas voir mes coups venir, petit enfant. Assez stylé, hein, Evil Ryu. Donc si dans les prochains combats je vois pas Oni, je vais vous faire montrer aussi Oni qui est assez méchant. Enfin, je crois que c'est la version Evil de Akuma. Parce qu'il ressemble beaucoup à Akuma. Donc voilà. Donc là c'est Fei Long, hein, le sosie parfait de Bruce Lee. Voilà. Assez stylé, j'aime beaucoup, hein, Fei Long. Ah, on est en Inde. Apparemment ça doit être le stage de Dalsim. Voilà. Voilà, ça c'était beau. Ah, j'aime bien ça. Voilà. Je sais pas exactement comment je fais ça, mais ça sort à tous les coups. Oh, pas mal ça. Oh, bah. Putain, le salaud, il m'a enlevé mon parfait. Voilà. Le double coup de pied. Assez beau le stage derrière avec l'éléphant. L'un derrière là, c'est vraiment bien fait. Hein. Avec la petite musique qui va avec. Assez Bollywood, hein. Il me fait rien, hein. Regardez, je fonce dessus, il me fait rien. Hein. Voilà, ça sort tout seul ça. J'aime trop ça. Ça, quand on passe derrière l'adversaire, c'est trop stylé. On aurait dit qu'il était. Bah, c'est pas qu'on y a dit, mais il est possédé, le pauvre Ryu. Complètement possédé. Moi, je voudrais faire une dédicace aussi à mon pote, hein, petit Felous, sur YouTube. Donc, il m'a demandé de lui faire une petite dédicace. Je lui fais parce que c'est mon meilleur pote. Bon, malheureusement, il a pas trop de vidéos postées, mais voilà, je tenais à lui faire une petite dédicace. Voilà, petit Felous, cette vidéo est pour toi, mon pote. Voilà, Sakura, je crois qu'il y a un lien de parenté, ou je sais pas si c'est l'élève à Ken et Ryu, parce qu'elle a exactement les mêmes coups que Ryu. Alors le Hadoken, le Shoryuken, voilà, par exemple, voilà. Et elle a fait aussi le coup de pied hélicoptère. Je vais lui faire là. Voilà. Ça c'était beau ça. Ça fait penser, Evil Ryu me fait penser beaucoup à Akuma. Ou attendez, j'ai un ultra. On va aller voir comment on va le faire. Alors l'ultra c'est là et j'ai pris le deuxième or. Tac tac tac. Et le coup de pied. Ok. Ok, coup de pied. Oh putain. Oh, le gros coup de pied que je lui ai mis là. Il était assez méchant, hein. Elle était assez méchant. Je suis en super là. Oh, celui-là, celui-là était beau, celui-là. Oh,
Là j'ai utilisé comment dire, un EX, un X, je sais pas comment on prononce. Oh putain. J'essaie de lui faire depuis tout à l'heure là, j'arrive. Putain, j'arrive pas à lui faire. Avec Oni, ça passe comme dans du beurre, mais avec Evil Ryu, j'arrive pas à le faire. Attendez. Carte de cercle avant deux fois, plus coup de... trois coups de pied. Donc attendez. Attendez. Alors attendez, on va aller dans commande. Voilà, les coups de pied. En fait, c'est soit L1 ou soit L2. Donc je ne sais pas. Voilà, déjà c'est pas R1 et R2, donc il faudrait que je trouve le G, je sais pas ce que c'est G, si c'est pied ou si c'est point, mais je crois que c'est point. Ouais. Donc attendez, on va revenir, enfin, normalement c'est ça, hein. Normalement ça devrait être L2, si je dis pas de bêtises, ça devrait être L2. Donc on va voir, on va essayer. Ouais c'est ça, c'est ça. Putain, elle m'a battu la salope. Pardon, excusez-moi. Putain, en plus j'étais en furie de fou là. J'arrive pas à le faire, hein. J'arrive pas à le faire. Bon, dernier round. Je vais essayer de la terminer. Même si elle me bat, tant mieux, comme ça moi je vais remontrer Oni. On verra. Attendez, je vais essayer de le faire. Oh putain, putain, mec, dégage. Dégage. Mais pourquoi il le fait pas? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, je le fais, le quart de cercle vers l'avant. Ah, voilà, enfin. Bah voilà. Oh putain. Oh putain. Oh lolo, le coup de fou. Oh, le coup de fou qu'il lui a fait, là. C'était magnifiquement beau, là. La première fois, en plus, que j'ai réussi à le faire. Lors de ma vidéo, de mon vidéo test direct live, je suis trop content. Ah, je suis trop content. J'ai réussi à le sortir, enfin. Ah, j'ai commencé à douter, je me dis, attendez, c'est pas possible. C'est pas assez compliqué à faire. Les combos aussi sortent facilement, comme dans tous les Super Street Fighter 4 sur PS3. Les combos, ça, sont assez faciles, enfin, surtout pour Ryu et Ken, à sortir. Voilà, le bonus stage, comme à l'ancienne, hein. Pour les nostalgiques, on va détruire la voiture. Donc il y avait une technique à l'époque qui était pas mal. Ouais, c'est parti. Attendez. Voilà, c'est ça. Voilà. Le coup de pied. Voilà, je crois que c'est bon pour ce côté-là. Il y a un mec derrière là, en train de me prendre en photo, le con. Je sais pas ce qu'il fait là. Attendez, j'allais de l'autre côté. Allez. 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 Enfin. On peut voir le liquide de refroidissement et l'huile de la voiture. Perfect. Voilà, 12 secondes. Bon, c'est pas excellent, excellent. Mais à l'ancienne, hein, franchement, c'était bien. Quand on détruisait aussi, il y a le stage bonus des tonneaux à l'époque. Je sais pas s'il est pour cet épisode-là. Ah, l'un de mes stages que j'aime beaucoup, le stage d'Afrique. Il est assez beau, vous allez le voir. Hein, franchement, magnifique contre Chun-Li. Hein. Chun-Li, on la représente pas. Elle qui était là depuis le premier Street Fighter 2 sur Super NES. Assez sexy aussi. Hein, qui a des formes très très généreuses, Chun-Li. Quand tu veux, on commence. Allez, c'est parti. Ah, je suis très content que le combo est sorti, hein, avec vous, les amis. Regardez l'éclipse là-haut. L'éclipse assez jolie. Voilà. Voilà le perfect.
Vous voyez, il y a les hippopotames derrière, et ben ils vont se rapprocher. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Oh, avec Oni, je vais le mettre en difficile. Oni, c'est pas, il est pas très difficile à battre. Hein. Oh putain, là, ça l'a pas mal. Ouais, vous voyez l'hippopotame, il arrive. Assez impressionnant. Super bien fait, l'hippopotame derrière. Hein. Voilà, prends ça dans tes dents. 4 hit combo. Ça, c'était beau, ça. Ouh, ça, c'était magnifique. L'hippopotame. Avec une blessure assez impressionnante. Une blessure qui me fait penser à la même blessure que Sagat a sur sa poitrine. Bah, une blessure que Ryu lui a fait hein, lors d'un Shoryuken. Qui va jusqu'à son œil. Donc, le Shoryuken a été assez violent pour Sagat. Hein, qui va... du bas de son ventre jusqu'à son œil. Voilà, Evil Ryu contre Ryu. Voilà, lui aussi il est en Metsu Shoryu. Non, il est en Metsu Shuriken et moi je suis en Metsatsu Koshoryu. Assez difficile à dire. Hein. Voilà. Ouais, bah. Les répliques ils ont pas changé. Hein. Ça c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Depuis le Super Street Fighter 4, ils ont pas changé les mecs. Hein. Ça c'est un peu du foutage de gueule. Oh putain, le salopard. Oh putain. Alors un peu de mal avec Ryu là. Oh putain, bien joué ça, ce que je viens de faire. Attendez, je vais le faire. Putain, le salaud. Putain. Attendez. Et putain. Ah voilà. Ça c'était très beau. Assez impressionnant franchement. Bon mais je crois que je vais perdre. Eh ouais. Mais au moins je lui ai sorti mon ultra combo. Assez impressionnant, franchement. Magnifique. Ouais, c'est plus une. En fait, cette vidéo là, c'est plus une présentation des nouveaux personnages. Hein. Parce que je pense que sur YouTube, vous pouvez retrouver tous les combos de tous les personnages déjà présents lors des précédents Street Fighter. Assez joli le coucher de soleil derrière. Ça, je crois que c'est le stage de... Oh putain, je me fais détruire là. Oh putain. Oh putain. Putain, j'essaie de le sortir. Allez. Ah, ah voilà. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur R2 au lieu du L2. Ah mais je vais perdre là. Là, si je gagne... Non. Bah c'est bien, tant mieux, comme ça moi ça va, je vais vous faire montrer Oni. Je sais pas s'il aura une intro pour Oni. Et après ça arrêtera là pour ce jeu que je conseille, hein. Franchement si vous n'avez pas de super, si vous n'avez pas Street Fighter sur PS3, je vous conseille celui-là. Voilà. Par contre si vous avez Super Street Fighter 4 et que vous voulez absolument Super Street Fighter 4 Arcade Edition, je pense, bah comme vous avez vu tout à l'heure, je pense qu'on peut faire une mise à jour. Donc voilà. Makoto, je crois qu'elle était pas là avant. Elle était pas là avant. Bon, Akuma, on le connaît. Hein. Et on va prendre Oni. On va prendre, ouais, on va le laisser en... On va mettre Provocation 2. Et voilà, on va voir ça comme ça. Maido Gato. Ouais, je vais mettre ça. Voilà. Contre Balrog, hein. Bon bien sûr Balrog, l'un des sbires de Monsieur Bison, de Bison, avec Vega, et Sagat. Je vais écraser ce monde. Oulala. Ok. Ok, Balrog ne parle même pas. Et... Ah si. T'inquiète pas, je vais t'arrêter. Ouais, c'est les mêmes coups, hein. C'est exactement les mêmes coups que pour ceux qui connaissent Ken, Ryu, Parker, les coups, c'est exactement les mêmes. Voilà, le double Shoryuken. Ah, et... attendez, on va regarder son combo. Oni. Alors, on a pris le premier, bon, assez facile, hein. Normalement, ça devrait être L1. Voilà.
Donc voilà, on va essayer ça. Comme ça, je vais vous faire montrer. Et voilà. Voilà. J'espère qu'il a passé. Oh putain. On a pu voir la gueule à Balrog. Putain, j'ai pu faire. Oh, je me suis fait battre par Balrog. En même temps, j'ai pas eu le temps de. Peut-être. On dirait que la difficulté a augmenté toute seule. Hein. C'est bizarre. Je vais être perfect normal. Attention attention au combo. Hop, attention. Voilà. J'espère qu'il a mis sa garde. Oh le salopard, il me l'a contré. Oh le salaud, bien joué. Oh bien joué. Bien joué Balrog. Bien joué. Ah ouais. Attends, je lui ai sorti le combo, il me l'a vesqui là. Attention. Ok, bah attends, j'arrive. Là c'était un petit échauffement là. C'est un petit échauffement, t'inquiète pas, j'arrive. Mais le problème c'est que bon, je connais pas tous les coups de Oni. Bon, j'ai pas eu le temps de m'entraîner hein. Donc j'aime bien découvrir des jeux en même temps que vous. Donc ouais, on va reprendre Oni. On va prendre ça. On va essayer Tenchi Sakaiden là. Sokaiden, pardon, je sais pas prononcer. On peut voir toujours la carte du monde, hein. Comme dans tous les Street Fighter, hein, du premier jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, c'est un Street Fighter sur Super Nintendo, c'est un jeu qui a bercé mon enfance, hein. Franchement. C'est un jeu que je pourrais jamais oublier de ma vie, ça c'est sûr à 100%. Je me rappelle, dans mon quartier, on faisait carrément des tournois. Donc il y avait une liste d'attente, une grosse liste d'attente derrière. Le premier qui perdait, bah, il lâchait la manette. Donc c'est que des souvenirs. Putain, ok. Attendez, il commence à m'énerver là le Balrog. Attendez. Putain, il me fait chier là. Oh, je suis comme une merde, putain. Et tout à l'heure je le fais hein, le. Ah mais merde, c'est vrai, je suis plus en. Ah oui, je suis trop con. Désolé, je suis trop con. Attendez, je vais mettre pause. On va apprendre. Comme ça, moi, j'aurais pas à revenir. Voilà, le Tain. Ouh, celui-là, il a l'air chaud, celui-là. Faut faire carrément un demi-cercle vers le bas. Et plus le bouton coup de poing. Oh, ça va être chaud, hein. Je vais essayer, hein. Je vais essayer, ça va pas être facile. Oh, ça m'énervait, Balrog, là. Ça, c'était très très beau, ça. Pas mal ça. Putain l'enculé. Attendez, je vais essayer de le faire. Putain. Mais putain. Il est chiant avec ses petits coups de poing de merde là. Ok d'accord, super. Bon, je vais vous faire montrer un autre personnage. Bon c'est... Je suis désolé hein, avec Oni, faut avoir un peu d'entraînement. Mais si on s'entraîne bien avec lui, il peut être vraiment méchant. Il peut être très méchant. Voilà. Où je me tâte là, je crois que je vais le garder. Ouais, je crois que je vais peut-être le garder au Nier finalement. Encore un dernier combat là. Allez, je vais le garder. Je le garde encore une dernière fois. Je vais mettre en rouge. Et je vais assez sur le Meido Kaodo parce que l'autre il est trop compliqué. Hein. Il est beaucoup trop compliqué pour moi. Valiant Buffalo. Ouais. Ouais, Balrog, hein, bien sûr. Un design assez ressemblant de Mike Tyson. Hein. Donc voilà. Bon, allez. Il faut que je le batte là, c'est pas possible. Ah, c'est stylé en rouge. Hein.
Putain, mais il me fait chier là. Voilà, prends ça dans ta gueule là de merde. Je vais me taire un petit peu. Putain, sa garde de merde. C'est l'une des forces de Balrog, hein, c'est sa garde. Il a une très bonne garde. Putain, mais prends-toi ça. Mais putain, il me contre. Tiens, prends-toi ça, connard. Attendez. Attendez. Mais putain, normalement je le fais avant que le personnage se relève, comme ça il a pas le temps de mettre sa garde. Oh putain, ça c'était beau ça. Attention, attention. Oh le salopard, bien joué. Attendez, 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 attendez. Putain. Oh là 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 là. Casse-couille hein. Tiens, voilà, prends-toi ça dans ta gueule de merde. Voilà. Et je m'énervais là. Viens, viens là, viens, viens là. Oh putain, ça c'est beau. Voilà. Quand les deux s'énerve, ça va beaucoup mieux. Je crois que ça c'est le stage de... Comment il s'appelle? De Blanca. Donc voilà. Ça c'était très très beau. Ah mais là. Attendez, attendez. Voilà. Normalement tu vas te manger dans ta gueule de merde. Ça c'était très très beau. Là, là, là. Attends, attendez, attendez, attendez. Là je faut concentration là. Ah j'ai vraiment dû. Mais putain j'ai perdu. Mais c'est pas possible. Ah il me fait chier Balrog hein. Putain j'avais bien joué là. Ah faut vraiment être Bon attendez je vais prendre un autre perso parce que voilà ça commence à me saouler là. C'est pas possible. Attends je vais prendre un perso que je maîtrise mieux. Je vais prendre Ken. Y'a pas Evil Ken hein. Il y a le Evil Ryu mais il n'y a pas le Evil Ken. Même si dans d'autres Street Fighter à l'ancienne, il existait bien. Voilà, Ken en rouge comme d'habitude, ouais, Shoryu Ken, voilà. On va faire dans le classique, dans l'efficace. Parce que là je peux pas rester sur une défaite contre Balrog, pas possible. Ah c'est Abel. Ah ils ont changé, merde, je voulais battre Balrog moi. Bon c'est pas grave, Abel aussi il est assez relou hein. Un peu dans le style un peu Zangief, e-shop, un peu de la lutte, un peu la lutte gréco-romaine. Voilà, bon, Ken aussi, hein, je vous le présente pas. Personnage emblématique des séries, des séries Street Fighter, toujours présent. Un français parlait en japonais, ça doit être bizarre. Enfin, ça c'est pas mal ça. Oh putain il m'a chopé le con. Putain il commence à me casser les couilles lui aussi là. Bon ok d'accord. Bon attendez, voilà la liste de... Voilà Ken. Ok assez facile à faire hein. Show you Ken. Bon ok je vais lui faire. Oh putain il est méchant celui-là. Oh putain j'allais lui faire. J'allais lui faire. J'allais lui faire. Putain. Oh putain j'allais lui faire là. Quel enculé. Putain, je suis comme une merde là. Je sais pas ce qui m'arrive là. J'avais bien commencé lors de la capture là. Putain. Voilà prends ça, prends ça fumier. Putain. Voilà.
Putain, il a de la chance, ce salaud! Putain, il me fait chier, Abel. Tiens, prends-toi ça dans ta gueule, là. Putain! Mais putain, c'est mort! Oh putain, ça c'était... Je suis mort. Attendez, attendez. Attends, non! Et il me fait chier, putain. Toujours à choper, là. J'aime pas les mecs qui chopent, là. Avec des abrutis, là. Pas le temps là. Là je suis énervé là. C'est pas possible. Ouais, ouais, je reste avec Ken. Pas le temps là. Allez. Il faut que je me concentre là. Là je vais me taire pendant ce combat. Je suis désolé, je vais me taire. Et si j'arrive pas, bon, on s'arrêtera alors. Allez. Voilà. Putain, c'est ça qui est roulé avec le Shoryuken, c'est que quand il met sa garde, bah après on est vulnérable. Hein, on... Voilà, regardez, après il me chope. Oh putain. Attention, faut pas rester près de lui. Putain, mais c'est pas possible ça. Tiens, dans ta gueule. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ah, il faut qu'il passe, putain. Attendez, viens, allez, viens. Tiens, dans ta gueule. J'ai annulé son combo. Non. C'est pas possible. J'allais lui faire l'ultra combo là. Ah, faut jouer plus simple. Hein. Faut que j'arrête de vouloir faire le gros kaku là. Attendez, attendez. Merde. Toujours le même coup là. Hein. Putain. M'énerve. Voilà, faut que j'alterne entre combat rapproché et combat à distance. Voilà. Ça c'était très très beau ça. Voilà. Non. Voilà. Allez, c'est bon. Il est mort. Voilà. Avec le U. Voilà, tiens, prends soin dans tes dents fumées. Allez. J'ai eu de la chance hein, quand même. Hein. J'ai mis l'ultra combo au bon moment. Je m'en rapproche trop là, attention, attention. Putain, j'aime pas sa garde. Moi j'enchaîne toujours le coup de pied. Voilà. Attention, attention. Viens là, prends sa fumier. Voilà. Quand on veut, on peut. Et ben voilà. Donc après, je sais pas si je suis bientôt. Tu dois te demander, mais tu dois rester concentré tout au combat. Voilà. En restant un peu concentré, ça va beaucoup mieux. Donc ouais, c'est un jeu que je vous conseille. Tous ceux qui aiment les jeux de combat, c'est un jeu. Bah voilà, et bah voilà les tonneaux. Donc je vous le conseille, c'est un super jeu. Hein. Donc si vous l'avez pas, hein, achetez le 70€, ça vaut le coup. Mais par contre, si vous l'avez déjà, attendez. Voilà, attendez. Hop. Oh putain. Putain, je l'ai raté. Putain, quel con. Putain,
Putain. Ah, c'est assez pitoyable, putain. J'avais bien commencé là. Oh là 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 là, oh là là, c'est la fête au village. C'est la fête au village. Ok, l'autre il est mort de rire là. Il se fout de ma gueule. Mais bon, je préfère être habillé comme je suis habillé que ton kilt là. Assez ridicule. Ouais. Bon allez. Blanca, un autre personnage incontournable hein, de la série Street Fighter aussi. Donc je pense après ce combat, on va s'arrêter là. Hein. Je vous ai fait une belle petite vidéo assez longue de ce jeu. Ouais, Capcom ne s'est pas raté. Hein. Dans ce jeu, à la jouabilité 2D, mais avec des graphismes 3D, et même les personnages sont en 3D. C'est pas un peu comme le Marvel vs Capcom avec des décors en 3D avec les personnages en 2D. Tiens, voilà, prends ça fumier. Avec des enfants derrière. Oh putain, il m'a fait l'électricité. Son attaque habituelle. Oh putain. Oh putain. Attendez, je vais lui faire le. Oh putain, je suis dans la merde. Oh putain. Ah, je suis dans la merde. Ah, j'étais dans la merde. Les enfants en train de jouer derrière là. Normal. Allez, allez, allez. Par contre, j'ai bien aimé le Evil Ryu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça c'était beau ça. De toute façon, pas Ryu, mais Blanca. Blanca est assez imprévisible et assez rapide. Hein. C'est un combattant assez rapide. Hein. Putain, j'avais. Oh putain! Ouais. Sa protection n'a pas été assez forte pour contrer mon Shoryuken enflammé. Donc vous avez vu hein, en bas vous avez des barres hein, avec des combos pour faire des combos en jaune là avec l'aura un peu jaunâtre et aussi l'ultra combo se remplit quand on se mange beaucoup de coups et le truc en bas là le X là comme je dis il se remplit quand on met des coups donc ça fait des en fait ça si vous voulez ça équilibre un peu le combat. Allez, voilà. Oh putain, faut pas trop que je me rapproche de Blanca, faut faire attention. Voilà. C'est terminé. Deuxième victoire. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, hein. Bon bien sûr il y a les barres de vie en haut, hein. je sais pas vous le dire. On a bien sûr le chronomètre hein, de 99 secondes, on a largement le temps de battre son adversaire. Et là maintenant c'est mon rival, et je crois que mon rival c'est Ryu, normalement. Normalement, ou sinon c'est le boss peut-être. Bah voilà, on va s'arrêter à l'issue de ce combat. Oh, c'est Rufus. Un personnage assez grossier que je trouve. au sens propre du terme. J'aime pas beaucoup ce perso. J'aime pas. Regardez-moi ça. Ken Masters. Patapouf. Faut faire attention à Rufus. Hein. Regardez-moi son mode comme il se. Voilà. Ouais, écoutez-moi le remix derrière. Je vous laisse le remix. Écoutez. Oh putain, il est passé quand même. Voilà. Ah, il a mis sa garde, le salopard. Quel salaud. Mais bon, j'ai réussi à lui mettre un coup. Énorme le remix.
Et les mecs sur internet ils sont assez balèzes, hein, je vous le dis. Et un mec avec Honda, il a réussi à me battre deux perfects. J'avais Ken ou Ryu, mes personnages préférés. Bon, c'est parce qu'ils sont assez faciles à maîtriser. Hein. Mais le mec qui m'a battu avec Honda, deux perfects. Je tire mon chapeau. Hein. Bon, je vais le coincer là dans le coin. Et voilà, c'est terminé, Rufus. Donc, on va s'arrêter là, mes amis. Donc, pour conclure cette vidéo, je vous conseille le jeu. Voilà, je vous le conseille. 70€, allez-y, les yeux fermés. Si vous n'avez pas le jeu, si vous n'avez pas Super Street Fighter 4. Donc, si vous l'avez, faites soit une petite mise à jour. Je sais pas si ça vous coûte pas trop cher. Donc voilà. Ah, il me reste 7. Bon, je vais finir ce combat. Je vais essayer de le battre. Parce que bon, il est pas facile à battre. Hein, parce qu'il fait toutes les techniques de, tout le, de tous les personnages. C'est-à-dire, il fait le Hadoken, il fait les attaques de Blanca. Donc, comme dans. C'est exactement la même intro que Super Street Fighter 4. Hein. Ils sont pas beaucoup bougés, hein, Capcom. Hein. C'est vraiment. Franchement, cet épisode-là, c'est pour amener les deux personnages qui nous manquaient, Oni et Evil Ryu. Donc voilà. Mais bon, je suis pas assez fan de 7. Hein. Je suis pas assez fan. Hein. Voilà. Voilà. Là, ça c'est l'attaque de Dalsim qui va nous faire là avec les longues mains là. Avec les longues mains. Voilà, prends sa fumier. Voilà. Tu sais, elle a pas le temps. Je laisse pas respirer parce que sinon. Voilà, prends sa fumée. Presque imperfect. Oula. Ça a explosé là. Oula. Ok. Le mec se transforme. Je sais pas ce qu'il fait. Oula, il s'est énervé, je crois. Oh putain. Il prend sa fumée. Voilà, ça c'était très très beau. Voilà. Je vais essayer de lui faire un ultra combo. Et viens là. Il nous aspire quand il fait ça. Quand il touche son ventre là. Oh le salopard. Oh bien joué. C'est pas mal si je peux le battre pour finir la vidéo. Sinon c'est pas grave. Hein. Bah tiens. Oh punaise salaud, bien joué. J'avais inspiré, je me suis dit vas-y je vais. Oh putain, je voulais en profiter pour lui faire mon ultra combo. Bon ça nous fait un partout. Ça fait un partout. Donc là je suis à 50 minutes de vidéo à peu près. Donc j'ai pas envie de dépasser trop l'heure quand même. Donc je vais bon bien sûr je vais pas vous proposer la vidéo en HD comme le Hooper. Parce que je suis pas en HD hein. Oh putain le salopard il m'a pris, il m'a chopé. Il m'a fait la même attaque que Zangief. Comme je vous ai dit en fait il a toutes les attaques. Et il doit enregistrer toutes les attaques des... Voilà ça c'est l'attaque de Akuma ça si je dis pas de bêtises. Putain. Allez je vais essayer de lui faire. Ne me tue pas, ne me tue pas. Allez viens. Oh bien joué. Donc voilà ce sera une défaite que je vous laisse les amis. Donc voilà, c'était Letko, un jeu que je vous conseille, normalement il y aura bien sûr, il y aura bien sûr l'épopée que je vais bientôt faire, je ne sais pas quand, donc je peux pas vous, j'ai pas envie de vous garantir, j'ai pas envie de vous dire une date exacte, et je vous salue à tous, et voilà, game over, voilà, c'est terminé pour Ken, et terminé pour la vidéo, salut.